plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai fait à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Les temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bravo Leïla, ma plus belle histoire d'amour. Alors après les quatre bleus de tout à l'heure, qu'en a pensé le jury? Alors, petite alternative, comme nous avons une petite panne, eh bien on va vous demander de nous dire un par un vos couleurs. On va commencer par Philippe, s'il vous plaît, et après vos arguments. Philippe, qu'est-ce que vous avez mis, bleu ou rouge? Rouge. André. Oh, tu rigoles pas? Mais t'es pas bien. André. Bleu, super bleu. Lio. Bleu. Bleu. Sinclair. Rouge. Rouge. Oh. Ah, le jury divisé, deux bleus, deux rouges. On commence par Philippe.
Pourquoi rouge, Philippe? Parce que je me suis ennuyé. Non, mais je peux dire un gros mot. Je me suis fait chier. Ça dépend. Ah oui. Mais vraiment. Mais c'est vraiment un gros mot. Ouais. Non, mais vraiment. Donc voilà. T'as pas c'est si, tu as raison. Non, mais... Dis les choses parce que ça fait bizarre quand tu dis que tu t'ennuies. On a l'impression que tu mens. Sinclair, vous êtes ennuyé, vous? Comme Philippe. Non, ah, mais j'ai un vrai problème. Vous demandez tous les deux. Non, c'est pas ça. Moi aussi, je suis passé complètement à côté. Alors, j'ai vu plein de belles choses, mais pas assez pour avoir envie de mettre bleu. J'ai trouvé que c'était interminable, personnellement. Donc, l'émotion n'est pas passée chez moi. Lio et André, en revanche, vous mais avez voilà, aimé, puisque bleu. Bah oui, déjà que c'est une chanson magnifique. Elle l'a faite à sa manière, avec des aigus qui claironnaient un petit peu avec cette espèce de diction qui n'appartient qu'à elle. Et j'étais en plein dedans. Alors, on n'était pas dans. On était pas, je sais pas, les mecs, faut regarder Discorama, je te jure, avec Denise Glaser. Non, mais moi, je respecte si, tout à fait ton choix. Moi, je dis pas que tu as tort. Je sais pas, elle l'a fait avec une espèce de candeur, avec un aplat, avec un espèce de premier degré comme ça, qui était super touchant, sans du tout jouer les tragédiennes, sans jouer Barbara, ça peut être aussi caricaturé, quoi. C'est elle, super elle a difficile. Pas surjoué, justement. Et elle y va cash comme ça, en se dévoilant. Voilà, elle a c'est été juste cash. Magnifique, quoi. Et magnifique. C'était très joli, ça. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est vrai que cette chanson, on peut vraiment l'interpréter. On peut faire plein de modulations. Quand Barbara la chante, elle va du murmure le plus doux à des aigus énormes. Et c'est vrai que peut-être ça a manqué. En plus, on a tous Barbara en tête. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a pas du tout pris ce parti-là. Elle l'a parti d'un seul bloc. Et elle l'a porté avec cette candeur de ses 18 ans, d'un bout à l'autre. Et ça, moi, ça m'a embarqué, ça m'a ému. André et Lio embarqué, donc de bleu, de rouge. Merci, Layla. On se retrouve tout à l'heure. Layla, c'est le numéro 2. Alors, d'ailleurs, j'insiste, car...